Bonjour, alors voici un petit tour avec un singe et des bananes. En gros, un petit tour pour les enfants. Alors regardez bien, ça se fait avec des bananes et un petit singe. Ok? Vous allez voir, ça va aller très 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 vite. Si je prends le petit singe, d'accord, et que je le mets comme ça entre les bananes, et bien vous savez quoi? Si on attend un petit peu comme ça, on va entendre quelque chose. Écoutez bien. Vous entendez? Ah, je vous le refais. Mais vous savez quoi? Il mange les bananes. Alors vous ne me croyez pas, mais par contre si je vous le montre, eh ben je vous prouve que c'est vrai. Il a entièrement mangé les bananes. Ça va vite, hein? Il est gourmand ce singe. Et d'ailleurs on le voit parce qu'il est un petit peu grossi, d'ailleurs il en a encore plein partout. Je vais vous le refaire. Si encore une fois je mets le singe, le petit singe au milieu comme ça des bananes. Et qu'on le laisse un petit peu un moment, on entend que il mange les bananes. Et je vous le reprouve. Ça va vite, il mange entièrement toutes les bananes. Et d'ailleurs, on peut le voir, il a grossi. Alors ça se voit peut-être pas au premier coup d'œil, mais moi je le vois. Et d'ailleurs, si on recommence et que je prends le petit singe, d'accord, et que je le mets comme ça avec les bananes, tout de suite on voit que les bananes ont disparu. Et que effectivement, après avoir mangé toutes les bananes, on voit bien que il a vraiment grossi.